Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va monter ensemble numéro 57 et 58 de la Starkey Hutch. Donc, bon, il n'y a pratiquement rien à faire hein, dessus. Donc, voici les pieds de ce numéro 57. On va commencer donc le siège avant. C'est donc le montage. Et voilà. Le numéro 58. Donc, on continue le siège. Voici. Donc, ce sera juste après. On va mettre ça ensemble après. Allez, on va donc. Bon, ce numéro, ça va aller vite. Hein. Donc, on va prendre le siège. Voilà, c'est un caoutchouc. Hop, on va prendre ça et on va prendre également cette pièce là et on va la mettre juste ici où il y a les deux trous là. Alors regardez bien les trous hein, parce que c'est pas les mêmes. Attendez, hop. Voilà, vous voyez là, il y a un gros trou. Oui, gros trou, il va évidemment. Le gros téton, pardon, il va sur le gros trou, hop. Voilà. Je pense que ça méritait d'avoir un petit peu le col. Mais bon, ça tient comme ça. Donc voilà le résultat. Ensuite, on va prendre la mousse. On va le retourner. Et on va l'installer. Voilà. Comme ça. Et ce numéro 58 et 57 pardon, est terminé. Voilà pour ce numéro 57. Et n'oubliez pas, dedans, il y a les petites ceintures. Hop, on va mettre là. Voilà pour ce 57e numéro. Ensuite, le numéro 58. Hop. On va montrer le numéro 59. Donc la suite du siège avant. Donc les pièces. Pièce de ce numéro 58. Alors, qu'est-ce que se cache nous? Évidemment, on va continuer. On va donc fermer le siège. On va installer ces deux petites pièces. On va insérer les ceintures. Alors, il demande de faire les nœuds. Je ne ferai pas les nœuds, en tout cas. Je trouve ça dégueulasse. Je sais pas encore comment je vais faire. Bon, là, je vais pas faire ça dans la vidéo parce que j'ai pas préparé. Mais est-ce que je vais mettre du scotch ou bah, du scotch noir comme il a fait, je sais pas comment ça s'appelle, Denis Blaise. Et ou alors des, vous savez, des bulles gomme pour coller en fait les ceintures sous la pièce là. On verra bien. Là, j'ai pas préparé, donc complètement oublié, mais faut que j'en cherche. Bon, et voilà donc le résultat. Allez, prendre la vis. Donc, on prend ce siège en plastique. Voilà, on va prendre ce montage et on va installer. On va le retourner. Comme ça, et on va installer comme ça. Installer ça comment?
Le rhum qui est vraiment dedans. Ah oui, je l'ai mis à l'envers. Ça va pas faire. Voilà. C'est mieux comme ça, non? Ça, comme ça. Voilà. Et on visse tout ça avec des vis NP. On en met une ici. Et enfin, le dernier. Voilà le travail, c'est tout. Il n'y a pas de tramette, non. Voilà donc pour ça. Ensuite, on va mettre ces deux pièces. Voilà. Ces pièces-là, il y en a une mètre. On va mettre une. Comme ça, on rentre dans les deux trous là, comme ceci, au niveau des trous qui se trouvent juste ici. Et on met donc deux vis OP. Et on fait autant de l'autre côté. Vous voyez, ça sort ici et ça sort comme ça. Voilà. Et ensuite, on termine donc avec cette ceinture. Donc, on va le retourner. Donc, on va mettre une. Et donc on finit. Pas de jeu mal en garde non plus. Ouais, rien. Ça, hop, on rentre dedans. Ça va pas sortir de l'autre côté. Ah, voilà.
Donc on a ça par ici. Comme ça, une info autant avec l'autre. Le retourner. Il ne va pas sortir. Allez, hop, sors de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ils sont là. Alors, on va les sortir un tout petit peu, mais je vais faire un système hein, pour les faire. Parce que c'est hors de question que je fais un nœud, parce que c'est dégueulasse. Voilà. Je ferai autre chose, peut-être mettre là un petit bout de gomme, comme je vous ai dit, ou du scotch. Donc voilà pour ça le numéro 57 et 58. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine, je voulais faire Alien, mais malheureusement, je ne peux pas, j'ai pas le colle. J'ai pas de colle à super glue, donc je ferai peut-être le numéro 73 de la voiture de K2000. Donc merci d'avoir suivi et à très vite. Salut!